aujourd'hui, on se retrouve pour faire une omelette, saucisse, chèvre, très très simple. Pour ça, il nous faut deux saucisses coupées en rondelles, deux œufs, du chèvre, du sel, du poivre, un peu de lait et un peu d'huile pour la cuisson. Première étape, basique, on vient mettre nos deux œufs dans un bol. Donc moi, là, c'est les quantités pour une omelette pour une personne. Donc j'ai mes deux œufs, je viens mettre du sel et ensuite du poivre. Vous pouvez mettre des herbes aussi si vous aimez ça. Un tout petit peu de lait. Et on vient battre tout ça de façon homogène. Ensuite, j'ai mis de l'huile dans ma poêle. J'ai laissé un peu chauffer l'huile. Je viens y mettre ensuite mes rondelles de saucisse. Je les retourne au bout de quelques minutes. Et une fois qu'elles sont un peu dorées, je viens y verser ma préparation avec mes œufs battus. Je laisse cuire et je viens mettre un petit couvercle pour que ça cuise plus vite sur le dessus. À la fin, j'y ajoute mon chèvre et voilà, c'est déjà terminé avec une salade verte et des tomates. C'est un délice et c'est super simple. Je vous fais plein de bisous et je reviens très vite. Bye !